stop. So here, their movement correct, but like there, very good the kizami, but the kizami gyaku rhythmic is not what sensei asked. And it was not a good karai. First point, when we make the exercise, look at the details. The difference between a champion and a champion, details. So you have to look them. Donc la différence entre un champion et un autre, c'est les détails. Donc vous devez faire attention. Regardez quelle jambe on est, quel rythme on emploie, quelle est la profondeur des techniques. Ici, je prends un super Kizami Tsuki, mais finalement, Kizami Kaku, c'est le sien, Kizami Kaku, pas ce qu'on a demandé. Parce que déjà, on n'avait pas la bonne jambe devant. Lui, il n'avait pas la bonne jambe devant. Donc, et lui, son travail, il est beaucoup trop court. Il n'y a aucun article qui va lui donner le point. Donc, moi, je préfère qu'il give you the point pour le Kaku qui la glisse. Ok? Change Kamal. What is the goal? What did Sensei Alexander ask you? Okay, to change, not to make your normal Kizami Yakutsuki. It is one to make a Kizami outside and try to score, but put your weight to the front. Donc l'idée c'était de mettre tout son poids en avant et de faire un Kizami en propulsion bien profond. Comme ça. Bien profond, bien placer le pied. Et après, de là, de l'impact, directement enchaîner le yaku. After, at the impact, straight away make the gap. And use this little technique to make long here, not short. He did, my friend here, did like that. That's not good. You need still to make long. Now, very good point of that technique, going out. Le truc aussi sur cette technique-là, ce qui est bien, ce que j'aime bien finalement sur la technique d'Alexandre, ben, je pense après, comment est-ce que je peux ressortir? Ben, grâce à ça, je désaxe déjà. Donc, j'utilise l'équité pour sortir comme ça. Un petit peu comme un Tai Sabaki, là. On fait hop, ce genre de mouvement-là. Donc, j'allonge, je fais mon gyaku en traction, et je pars. Et là, je suis dernier. Mon gyaku, hein. Ce qu'il a dit, c'est important, c'est regardez bien. Si je vais ici, là, il y a quoi comme arme? Il a 4 armes. 1, 2, 3 et 4. Si je vais ici, il a 2 armes. 1 et 2. Et si je vais ici, il n'a plus d'armes. Donc l'idée, c'est d'aller là où il y a plus d'armes. Voilà, donc désaxer. So try, when you are here, of course, he has 4 weapons. Tac, 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 tac. And when I can attack, he has 2 weapons, but I can go out this way for him very hard. Only this kick maybe, but the punches, impossible to score. Or first Kamai, then score. So, on strategic point of view, it is good to go like that. Around and go out on the back. Around and to go out on the back. Donc, allongez-moi votre kizami. Allongez le kizami. Mettez-vous bien sur un pied. Et de là, laissez-vous aller. En fait, pensez pas à faire 1, 2, 3. Don't think about each knee side. The footwork is one knee. Propulsion, traction. Push, jump. Push, jump. Push, jump. And go out. C'est pour ça que je touche là. Dès que j'ai touché, ça doit enclencher l'autre. Ok? So, yes, it is different. But that's why you are here. So you try, like that. Not your Kizami Gap, this one. So c'est différent, mais essayez celui-là. Pas votre sensation, cette sensation-là. On y va, par l'extérieur. Adieu!